Et on se retrouve. Ciao, bonjour. Ouais, c'est ça, exactement. Allez, c'est reparti pour 20 minutes. Épisode 2, si tout va bien. Il y a un chat là-dessus, bien sûr qu'il y a un chat. Dans 5 épisodes, on se rejoindra peut-être. En attendant, ma sentinelle attend de se faire construire. Alors, faut que je m'agrandisse à gauche pour pouvoir te rejoindre. Alors, magnifique, c'est du charbon, je m'en fous complètement. Alors, je vais mettre. Je peux pas construire ici pour l'instant. Deux fonderies en plus. Ensuite, je voudrais, s'il vous plaît. Je voudrais un bonhomme de neige. Ah non, rien à voir. Forge. Yeah. Est-ce que c'est pas une référence à un film Disney récent que je n'ai jamais vu? Non, absolument pas. Non, non, il n'y a aucune référence. Le pire, c'est que je l'ai même pas aimé. Franchement, je l'ai. J'étais vraiment un peu beauf devant Du ce coup, film. est-ce qu'on parle bien du même film? Oui, je La pense, Reine oui. Neige, je sais pas quoi là. Ouais. Frost là, un truc comme ça. Ouais, le... J'allais dire le Colisée des Neiges, mais non, c'est l'Arène des Neiges. Ça, c'est fait. Mais non, mais c'est... Franchement, j'ai... Ouais. Bof. J'ai pas accroché. C'est un peu comme là-haut. Quand j'ai vu là-haut, le fameux J'ai vu une chien. seule fois Ça alors, un chat qui le chien, parle. quel chien? Je t'ai pu... Non. Attends, on Pitié. parle bien de la même chose, hein. Pour moi, là-haut, c'est la maison qui s'envole avec des ballons, hein. Oui, et à la fin, il y a un chien qui parle. Oui, monsieur. D'accord, bah oui, je l'ai vu qu'une seule fois, donc... Je m'étais vraiment dit, mais what the fuck? Mais où qu'ils ont été trouvés une merde pareille, quoi. À part ça, est-ce qu'on arrive à augmenter un peu la vitesse? Parce que moi, je suis triste là, en fait. Bah, comme tu vois, j'en ai passé de 2,5 à 3,5. Ouais. Bah, par contre, normalement, si je mets 10 ou plus en vitesse, ça n'arrive plus à suivre niveau CPU pour le stream, même ça. D'accord, pas de souci. Et j'ai même compté ric-rac, hein, j'avais lancé Mumble pour faire les tests avec la consommation de Mumble. Ouais, j'ai une brasserie qui est prête, ce qui veut dire qu'il est temps d'ouvrir une bière. N'est-ce pas? Une bière belge pour un Une... Suisse. Non, une bière suisse, Dr. Gabs, une tempête, pour ceux qui veulent savoir. Et l'abus d'alcool, c'est mal. Voilà, ça c'est fait. Mais du coup, c'est bien, mais j'ai pas de fer depuis le début, moi. Santé. C'est pas grave, je te l'apporterai si jamais. Prosit. Attends. Mais il y en a forcément tout près. Ouais, dans la là où j'ai fait mes deux mines à côté, j'ai peut-être dû faire Moi je dirais, essaie de piquer partir. une grande zone. Essaie de partir. Attends, je vais te mettre un drapeau. Tu le vois? À Non. gauche, je pense que là tu peux. Il y a une grande zone. À mon avis, tu dois pouvoir trouver du Ah, fer je là-dedans. vois. Je la connais plus par cœur cette carte. Hein. Je l'ai jamais connue par cœur, mais. Bah, elle est gigantesque. D'ailleurs, jetons un œil aux statistiques pour voir. Statistiques générales. Bon, terrain, ça va, on est premier. Nombre d'ouvriers, on est largement premier. Bâtiment construit, on se fait rattraper gentiment. Marchandises, on explose tout le monde. Productivité, on explose tout le monde. Pertes, rien du tout. Victimes, rien du tout. Il n'y a pas eu de guerre en fait. Mais niveau militaire, bon, on a le double des autres puisqu'on a deux bases de départ. Tu veux pas augmenter la production de chaux, non? Parce que moi, depuis que je l'ai construit, en fait, il a jamais rien produit, je crois. Parce que on a assez. La production de chaux, il te faut du charbon dedans en fait. Oui, mais ça change. Non, il me dit Il te faut de l'eau, du l'économie n'a charbon et pas de la besoin de pierre. chaux. Parce que j'ai 10 de chaux tout le temps. Ah! Est-ce que t'es dans la Oh pro... là, oh là, oh là, oh là, oh là, ça rame, ça rame, oh là. Chez moi ça marche, mais alors... Ouf, voilà, c'est revenu. J'ai baissé la vitesse et c'est D'accord. revenu. Alors on a 10 de chaux, je vais juste regarder un truc, est-ce que c'est moi qui les aurais des fois? Non, moi j'ai 0. Non, non, moi j'ai 10. Ouais. On peut Toi, t'as moins... 0. T'as bien fait ton four à chaud, hein. Oui, je l'ai fait. C'est juste que l'objectif de économique c'est 10. Je vais passer à 30 pour en produire un peu parce que je vais être un peu embêté sinon.
Ah, alors on va faire un drapeau ici, histoire de bien se supprimer toute possibilité de faire des mines. Ah, ton live, il est HS. Ah, bah je sais pas, personne ne me le dit. Ben, pour l'instant, chez moi, il tourne en boucle, il tourne en rond. Oui. J'ai la... Ah, bah c'est bon. Il est Ah, de mais ça doit retour. être le... C'est quand ça ramène. Ah, c'est possible, ouais. Alors... Ah, bah justement, il me faut deux de chaud, tu vois. Puis j'ai plus d'eau maintenant. Trop bien. Il faut que je fasse plus de puits. Putain, encore du charbon. Sérieux? T'as fait quelque chose à Et la de la carte pierre. ou... Est-ce que la carte ne t'aimerait pas? Mais pourtant, merde. Ah bah, c'est normal, c'est la roue, c'est du charbon, c'est tout. Ouais. Mais bon, heureusement, j'arrive. De l'eau, hein, génial. Attends, j'arrive à venir là, merci. Non, c'est que du charbon. Bien ça à tort. Yeah! J'ai un tchou qui est arrivé. Est-ce que j'ai de l'eau dans mes stocks? Ah, j'ai pas d'eau du tout en stock en fait. Donc je suis vraiment en déficit complet en eau. Donc un puits c'était pas assez, il m'en faut deux. Est-ce que le puits il produit en continu dans tes stocks? Non, mais je regarde dans mon stock, je vois que je suis à zéro en eau, donc ça veut dire que j'ai consommé toute l'eau disponible. Ouais, bah moi aussi, pourtant j'ai fait deux. Ouais, mais il faut en mettre plusieurs. La ferme elle consomme pas d'eau aussi. Non? Non, par contre, ce qui Que consomme, moi c'est. j'ai. Ce qui consomme, c'est ben justement le truc à chaud. Si t'as une boulangerie, ça consomme aussi, une Bimba! brasserie aussi. En tout ce petit monde, t'as beaucoup d'eau qui part. Et s'il n'y a pas d'eau dans le sol, et ben tu te retrouves avec 30% de chance de produire de l'eau, quelque chose comme ça. Donc pas Ah beaucoup. yeah, j'ai trouvé du fer. Ah, Fer, c'est mon dernier j'ai, qu'ils dernier disent. agrandissement. Ah ouais, en plus c'est un bon gisement. Nickel, on va bientôt se rejoindre. Encore 12 siècles. C'est ça. Trois S. personnes sur mon compteur. Ah. Bienvenue, willkommen, welcome. Hallo! Hallo Susi, guten Morgen, komm, wir spielen, komm, la 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 la. Pardon. Je ne connais pas cette personne. Est-ce que t'as connu cette chanson? Par Parce que c'est hasard? pas toi qui l'as inventée. Non, 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 Non. non, non, non. C'était une chanson qu'on avait dans un bouquin d'allemand. Et. C'était vraiment un tout petit peu pourrave, mais c'était bien rigolo. Et du coup, tous ceux qui ont passé par là s'en souviennent encore. Que ce soit directement ou indirectement. En ce qui me concerne, c'est ma petite sœur qui l'avait eu. Mais. Elles sont belles, tes citadelles, toi. N'est-ce pas? Enfin, on a les mêmes, tu vas me dire. Bah, Putain, c'est blindé chez toi, c'est tout serré. c'est le but. Je suis optimisé à fond en fait. T'as juste ton charbonnier qui est à 0%. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Il produit juste un petit peu de charbon de temps en temps. Encore que c'est même pas vraiment nécessaire. C'est juste pour si j'ai trop de bois, Ah, tu ben. produis du fer, toi? Oui, je produis du fer. C'est bien, ça. Dingue. Non, zéro, c'était passé à 0% sur la fonderie. Ouais, mais c'est pas grave, il produit un petit peu de fer de temps en temps, puis ça suffit largement pour le moment. D'accord, donc c'est vraiment que de l'agrandissement pour s'agrandir. De moi, tu parles? Ouais, avec tes sentinelles, quoi. Je m'agrandis pour venir chez toi, en fait. Oui, ben moi aussi, mais enfin j'essaye de miner en même temps. Alors, est-ce qu'on peut pas en Bon, mettre autre là on part, met une bordel? forteresse, hein. Zut. Où je m'agrandisse par là, mais j'ai la forteresse qui est terminée, ça va être bon. Je vais Ok, trouver un et bon sur la spot carte? de fer, là, Ah, il y a je la peux moitié mettre du une chemin qui est mine. fait. C'est bien. Ah bah oui, je m'y mets un peu aussi alors. Ouais, et il reste à peu près la moitié d'un épisode. Hey. On est aux deux si je me souviens bien. J'ai déjà perdu le compte, je crois. Oh, il est manquant, mais il se fout de ma gueule celui-là. On va rajouter un quatrième puits et puis voilà, c'est tout. Ouais, mais c'est toujours. T'as meilleur temps de. Quand t'as ce genre de problème, tu mets 5 puits, t'en mets pas un. Parce qu'avec un, t'auras la paix 5 minutes. Alors, par contre, je ne produis plus de. Ah si, puis continue à produire la pierre, parce que ces petits machins, ça compte, c'est ça? Ah non, tu vas chercher là-bas, bien. Allez, zou, plein de mines de charbon ici.
Ça fait joli. Et puis là, ça sera quoi? Allez, on va mettre des mines, forcément. Hein? Des mines! Allez, des petits géologues, s'il vous plaît. Des caillouxologistes. Des collègues. J'ai plein de place ici. J'ai bien envie de faire de la ferme pour rien. Alors, la fabrique de haches, est-ce qu'elle a démarré? Oui, elle a démarré. Trop bien. Alors, toi maintenant, camette forgeron. C'est parfait. On va transformer ça en... Timba! Moulin de guerre. Parce qu'on peut se permettre ça. Ouais. En fait, mes pauvres fonderies pleurent. Où est-ce qu'il est, mon forgeol? Là. Toi, t'arrives à forger, on sait pas avec quoi, mais... Forgeron, 3 sur 24. Voilà, donc on va pas faire d'autres forgerons pour l'instant. Ah, encore du fer. Parfait. On va mettre quelques mines. Bon, alors, il produit, il produit. Ensuite, comme on a beaucoup de mines, il faut qu'on mette beaucoup de tavernes. Faudra bien nourrir tous ces travailleurs, quand même. Sinon, ils vont encore gueuler, faire des syndicats, puis ça finira à la française. On va éviter ça. Je m'attendais à une réaction, en fait. Les Suisses sont pas arrêtés pour être très rapides. Pour être très rapide. Ah oui, et surtout quand vous parlez. Mais parce que je parlais vite là ou... Non, non, mais parce que tu me dis un truc sur les Français à propos qu'ils sont pas bosseurs. Ah et tout, moi je te dis, les Suisses sont pas réputés pour être rapides quoi. C'est, à mon avis, c'est même pas une question d'être bosseur ou pas, c'est une question d'être à l'heure. Mais après, ça tient du cliché, clairement. Enfin. Sauf quand on voit les grosses manifs avec genre 500 000 personnes à Paris ou comme ça. Ah ouais, non, mais attends, les gens en France, ils ne manifestent que contre la liberté. Ils ne manifestent jamais pour les bonnes raisons. Moi, j'ai participé à des trucs pour la liberté, contre les contre ACTA, contre le TAFTA, contre la loi renseignement, contre programmation militaire, etc. Il n'y avait personne, alors que c'est des trucs qui concernent la France entière. Bah ouais, parce qu'ils s'en foutent. Autoriser le mariage. Homosexuels, donc qui apportent des libertés en plus sans gêner les autres, la moitié de la France a gueulé. Ça me sidère. Ça m'étonne pas qu'on passe pour des pédophiles, des homos. J'aime pas utiliser phobe, parce que phobe ça veut dire peur. Les anti-homos, quoi. Et c'est pour moi, la France, c'est clair, elle est anti-homo, oui. Quand tu vois que 50% des gens ils veulent un faire. Interdire aux homosexuels de c'est. Ouais. Non, pour le coup, je vais peut-être dire, faire une mauvaise blague, mais je vais dire c'est pas gay tout ça. Non, mais sérieusement, c'est vrai que ça fait assez flipper. Mais non, voilà, c'est comme ça. Ainsi va le monde, qu'il disait. Qui ça? Ouf. Un gars. Non, par contre, je suis étonné parce que ma brasserie, elle produit à mort. Et pourtant, elle n'arrive pas à fournir assez de bière forte. Ça sert à quoi la bière déjà? Alors, la petite bière, c'est pour les casse-croûtes, donc c'est pour les mines de niveau 2. Et puis la bière forte, c'est pour les arènes de combat. Et les. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai planté. C'est pour les arènes de combat et aussi pour. Pour les repas, donc les mini niveau 3. Alors lui, il est maître brasseur, d'accord. Donc là, on est en brasserie, hop. Voilà, il te faut un maître brasseur pour mettre dans une grande brasserie, en fait. Et au début, t'en as pas. Mais moi, c'est pour ça que j'attends, je mets toujours un seul, une seule petite brasserie, une seule forge, et j'attends qu'il soit amélioré avant d'en mettre un deuxième, sinon ça va diviser l'expérience. Oui, oui, c'est ce que j'ai fait. Du coup, lui, comme il fait jamais rien, voilà, il y a 3 sur 24, parce que depuis le début, j'ai pas de fer, alors. Ouais. Alors, on va rajouter encore un chasseur en plus. Un garde-chasse en plus. Du charbon, c'est génial. En plus. De fer, 10%.
Ration est encore. Oui, ça arrive, t'inquiète. Bon, puis ouais, non, on est chez monsieur. C'est drôle, t'as pas. T'as, tu fais des grandes étendues en fait, avec tes forteresses. Moi je fais les petits bouts de trucs, puis après je blinde à fond. Alors, entrepôt, on va mettre ce côté-là ou là? On va faire les deux en fait. Un chemin là. Et un chemin là. Bon, ok, la forge, on va diminuer un peu le fer dedans. Ça bon, je supprime 41 messages. Non! Pauvre message. Tu sais que normalement, il n'y a que Terminator qui supprime. Hein. Non, il y a l'effaceur. Tu sais que tu maintiens appuyé, puis c'est ça. C'est le même acteur. Maintiens appuyé le clic. Bah, c'est ce que j'ai essayé, mais ça doit ramer. C'est plus rapide. Ah, ça y est, c'est moi qui ai fait. Le dernier, ça a été rapide. C'est moi qui ai fait. Pour te faciliter la vie. T'as vu, mon PC rame tellement quand je stream qu'il arrive même pas à supprimer tout d'un seul coup. C'est parce qu'il a beaucoup de RAM. Mon dieu, mais je suis en forme. Oui. Et je n'ai pas encore fini ma première bière. Non. Ma en seule bière forme, aussi, mais. Alors. Je n'ai rien fait par là. Bon. J'aimerais bien produire plus de soldats, s'il vous plaît, les gars. Là. Justement, moi, c'est aussi pour ça que je fais des forteresses. C'est que je les laisse remplir, comme ça, ça consomme les haches, là. Comme ça, ça fait travailler mon forge, là. Moi, je préfère produire. Ah, bah attends, je vais faire comme ça. Je préfère produire plus de soldats, en fait. Après, sinon, tu peux aussi améliorer et augmenter les quotas de tous les outils. Moi, ce que je fais, c'est qu'il y a des trucs qui sont à 1 par défaut, je les avais mis à 5, je crois. Ouais, mais ça. Pour faire travailler mes bonhommes. C'est clair et net. Ah, d'ailleurs, les haches, il faut demander. On en demande. Non, je vais augmenter fortement le nombre de tout en fait. Tac. Fortement, peut-être pas, parce que j'ai pas assez l'air non plus, moi. Hein? J'ai pas de fer, moi, pour courir, donc. Mais c'est pas grave. Je fais pas rien, c'est que je sélectionne tous les outils qui sont à 1, et je les passe à 2. De toute façon, on est très bientôt en. 3, 4, 5, 6, on est très bientôt 7, en contact. Ça va rajouter 8 productions déjà. Ça sera fait, on va voir. Moi je dirais que ce qui me manque maintenant ce serait de l'or. J'aimerais de l'or. Mais tu peux t'en passer, non? Ça sert juste pour entraîner les soldats, non? Ouais, bah écoute, justement. Ça serait bien de traîner les soldats. Ouais, puis je vais me lancer aussi à la conquête des mers parce que. Ça peut être intéressant. Non, j'ai pas trouvé de spot. Non, mais je sais, c'est normal. Mais... Ah bon, c'est une carte sans? Bah non, c'est une question d'emplacement. On est sur une carte de l'Europe. Enfin, si tu veux aller à la mer, il faut aller au nord. Vers le haut. D'accord, les rivières ont pas. Non, les rivières t'as pas. Des fois t'as des bateaux qui peuvent passer une rivière à un bout, je crois, mais. On manque de. Oui, c'est chez toi ça. T'as une carrière qui a épuisé, je te la supprime. Ok, merci. Merci Terminator. Ouais, il reste. Tu as dit, il y a l'effaceur aussi, c'est le même acteur, mais c'est pas le même film. Ouais. Moi, c'était mon prof de maths qui nous sortait ça régulièrement. Quand on disait, ouais, je supprime cette valeur, il répondait, non, tu supprimes rien du tout, c'est Terminator qui supprime. Ouais, chacun son délire. Hein. Ah, manque de poissons. Il y a un pêcheur qui poissonne pas. Ok, tcho. Barre-toi, je vais pas te voir. Casse-toi, tu es. T'as vu le dernier Terminator Genesis? Je t'avoue que non. En fait, pendant longtemps, je suivais l'actualité un peu du cinéma grâce à Durendal. Et comme Durendal nous a pas fait de critique depuis des mois, j'ai complètement lâché l'affaire. Je l'ai regardé et au début, je fais putain, mais en fait, c'est une pure copie du premier. Genre, il arrive pareil. Le mec arrive tout nu, il y a une bande de trois racailles qui veulent l'agresser. Et il sort tes affaires, enfin comme dans le premier quoi. Ouais. Je me suis dit, oh, putain, c'est exactement la même chose que le premier depuis le début. Et là, à ce moment-là, ça change. Je me suis dit, vraiment, ils abusent, ça a changé. Bah, ils ont bien fait. Faut pas refaire exactement la même chose, sinon bof quoi.
Ça a changé justement parce qu'il y a le deuxième choisi qui est arrivé derrière et qui lui a dit pas besoin, ou un truc comme ça, je sais plus. Ah, ça y est, j'ai Ah! plus assez de soldats. C'est la fin de l'épisode! À tout de suite! Pour la suite de Terminator!